décidé d'écrire sur la Côte d'Ivoire, ouais. connaissant bien sûr la situation que ce pays ouais. a traversée ouais. et traverse encore. Ouais. Un processus de réconciliation qui est engagé, même ouais. si selon vous, ce n'est pas la chose la plus rapide qui se fait de ce côté. Mais vous décidez justement dans un livre de prendre... De dire la vérité. Non, enfin, de dire votre vérité. Non, j'apporte des documents. Il l'a dit tout à l'heure, j'apporte des documents. Non, vous dites votre vérité. Non, mais j'apporte des preuves à ce que je dis. Il y a beaucoup d'insinuations, comme justement l'accusation faite à Ouattara de soutenir non, la rébellion, monsieur, mais qui manque de démonstration. Non, mais monsieur, vous aurez pu démontrer non, également, non, non, preuve je... à l'appui, ce non, que vous dites monsieur, contre Ouattara. Monsieur, je ne fais pas d'accusation. Je déclare que monsieur Ouattara a financé la rébellion qui était... Écoutez, on aimerait bien voir l'enquête. Bon, je vais plus loin. Les éléments. Est-ce que vous avez écouté monsieur Ibe qui a été assassiné, dont le principal chef de la rébellion? Il a dit que c'est le président Ouattara, que c'est monsieur Ouattara qui a... Non, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Non, mais attendez, est-ce que... Mais là, justement, bon, Charles Onana... Pourquoi vous balayez d'un revers de main quand ça vous... Non, mais Charles Onana, parce que justement, pour Blanchi Gbagbo, vous êtes allé plus loin, avec oui. des éléments, avec des documents. Ça, c'est très détaillé. Maintenant, pour accuser Ouattara, vous vous en tenez aux déclarations. Et bon, Dieu alors, sait qu'il y en a eu. Non, je reviens. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous avons monté le 19 septembre. J'ai préparé mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparé mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Pendant mes 3 ans au Burkina Faso, je vous dis sincèrement devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé qui nous a donné des villas. C'est ça la vérité. Nous avons, après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaussou. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao, le comzone de Bundiali. J'ai dit, fais des enveloppes de 300 000. J'ai fait des enveloppes de 300 000 pour tous les éléments qui devaient rentrer. Je les avais découpés en 3 groupes. Parce qu'il devait y avoir 3 attaques simultanées. Abidjan, Bouaké, Korogo.